Le ATDD, on a décidé de l'organiser sur donc, une demi-journée sur laquelle l'ensemble des enseignants qui interviennent sont libérés, ce qui leur permet effectivement d'avoir quasiment tout le temps une vision transversale des sujets qu'ils abordent. Ce qu'on visait avec l'équipe, c'était des compétences de médiation faune sauvage. C'est-à-dire être capable de prendre du recul par rapport à des activités humaines qui sont mises en difficulté à cause de la faune sauvage, et donc essayer d'y remédier. Voilà. Plutôt que d'être dans un système où, dès qu'on a un souci avec un animal sauvage, ben on va essayer de s'en débarrasser par tous les moyens. On travaille sur l'explicitation de grandes notions, hein, comme les différentes représentations de la nature. On a vu une conception plus anthropocentrée, je dirais, où l'homme est maître de cette nature, entre guillemets, la domine et souhaite la dominer. Et puis on a vu une conception où au contraire l'homme se replace au sein du milieu naturel, peut concilier son activité avec le cycle naturel et accepte de vivre en harmonie avec cette nature. C'est les deux grandes conceptions. Et donc le blaireau, le choix n'est pas anodin parce que c'est une bête qui est mal aimé du grand public, qui est pas si bien connu que ça, et donc la question c'est si on fait en sorte que l'animal est mieux connu par le grand public et par les agriculteurs, peut-être qu'on va améliorer son acceptation, les quelques dégâts qu'il fait, voilà. Donc voilà, c'était ça l'objectif. Parti sur un recueil des représentations des élèves avec un débat mouvant. Je pense que tout le monde, dès qu'on nous a dit qu'on allait travailler sur le blaireau, enfin, moi ça m'a fait quelque chose, le blaireau, mais franchement, enfin, c'est pas un animal déjà à la base qui m'attirait. Je pense qu'au début, ils ont eu un petit peu peur du regard des autres par rapport à ça, se dire ouais, mais nous on travaille sur le blaireau, donc on va être un petit peu la risée des autres. J'avais juste entendu des on dit que, par exemple, c'est un animal nocturne, il est agressif, et il donne que la tuberculose, faut l'éradiquer. Enfin, j'avais pas vraiment, moi, d'opinion, j'entendais juste ça, donc je m'en faisais pas une très très bonne image. Ensuite, on est allé voir deux agriculteurs. On a eu une commande d'un agriculteur qui, justement, avait un problème avec sa ferme où il fait un élevage laitier de Primolstein, où il y avait une famille de blaireaux pas loin. Et qui était susceptible de causer des dégâts aux prairies de la ferme, voire transmettre des maladies, enfin probablement, on ne savait pas trop aux vaches. Donc il nous a demandé si on pouvait faire quelque chose pour l'aider et trouver des solutions. De maîtriser ces dégâts. Pas de se débarrasser forcément, mais de maîtriser les dégâts. Ensuite, on a mis les élèves en enquête, en recherche, pour essayer de répondre à cette commande. Hein. Donc, on les a mis en situation professionnelle. On n'a pas eu de moment où genre, un professeur nous disait « le blaireau, il est comme ça, comme ça ». Soit on nous donnait des documents, on nous disait de chercher, soit on nous disait de chercher chez nous. Ou voilà. Sinon, la plupart des choses, c'est vraiment les intervenants qu'on a rencontrés qui nous les ont apprises. Et puis ensuite, ils ont rencontré des acteurs, des représentants de l'État, donc techniciens de l'ONCFS, par exemple, des acteurs du milieu de la chasse, donc techniciens de la Fédé de chasse de la Corrèze, un technicien du GMHL, du groupe mammologique et herpétologique du Limousin. Et je suis intervenu, moi, sur le volet plus médiation. Faune sauvage, on travaille justement sur la faune sauvage en Limousin, sur sa connaissance et sur sa préservation. En termes de logique d'acteur, on n'a pas la même vision que la Fédération de chasse, par exemple, ou que l'ONCFS, ou que les syndicats agricoles. C'est pendant ces interviews-là, on apprenait des choses, on prenait des notes, et c'est là qu'on a le plus appris de choses, parce qu'on ne savait rien en fait au départ. Quand on nous parlait de la tenue en novatrie et tout ça, on ne savait pas ce que c'était, du coup on notait, puis après voilà, on apprenait avec ces gens-là. Les étapes qui ont suivi, c'était de réfléchir à des moyens qu'on pouvait mettre en œuvre pour répondre à la commande. Quoi. On a commencé à chercher, à trouver des solutions, des répulsifs, des clôtures, et pas mal de choses comme ça. Moi, je suis intervenu justement
trouver et discuter avec eux, et trouver des solutions qu'on pourrait mettre en place justement pour pouvoir répondre au mieux à ces exploitants agricoles pour permettre une cohabitation viable et pérenne avec, avec cette espèce sauvage qu'est le blaireau. Et ensuite, évidemment, c'était la conférence dans laquelle ils allaient montrer tout ce qu'ils avaient mis en œuvre, tout leur cheminement pour arriver à des propositions de solutions. On a accueilli tous ceux qui voulaient venir, que ce soit des étudiants comme des Neuvicois, des agriculteurs, des chasseurs, ou encore tout simplement même des profs. On a mis en avant les solutions pour justement les agriculteurs. La solution la plus pertinente, alors après ça dépend des terriers, mais là vu qu'il y avait un problème par rapport au stabu, donc le terrier de blaireau était pas très loin des stabulations, donc ce qu'on pensait faire c'était mettre des répulsifs autour des stabulations pour pas que le blaireau continue à prendre ses habitudes et aille manger dans la mougeoire du bétail. On espère que ça va marcher aussi, puis pouvoir ensuite extérioriser ça à d'autres exploitations. Ce qu'ils ont appris avec le blaireau, ils peuvent le remobiliser pour d'autres exemples, d'autres espèces. Ils peuvent le remobiliser pour le cas du loup, pour le cas de l'ours dans les Pyrénées, enfin pour tous ces animaux qui provoquent des tensions. On a appris à ne pas avoir d'avis trop déterminé, pas influencer trop les gens dans ce qu'ils pensent, pas leur dire non, c'est pas ça, c'est ça. On essaie de comprendre l'avis des gens pour ensuite pouvoir déjà les orienter mieux vers ce que nous, on essaie de leur faire comprendre. Pour faire de la médiation, c'est déjà connaître l'espèce sur laquelle on va essayer de faire passer un message. Et ça, je trouve, je me suis enrichi sur cet animal, je le connais pas mal. On leur faire toucher du doigt, qu'on leur faisait confiance, ils se sont sentis capables de s'exprimer jusqu'à la conférence devant des dizaines de personnes. Et eux ont vraiment eu cette faculté à faire ça et à se dire, tiens, mais finalement, peut-être que dans quelques années, oui, on sera vraiment en capacité. Et donc, la prise de recul que je voulais qu'ils aient, c'est d'essayer d'imaginer un système où on puisse finalement réconcilier l'homme et la nature, l'homme et le blaireau. Et ça, je ne suis pas sûr d'avoir atteint cet objectif. Voilà. Ce qui risque de les marquer, c'est pas forcément les grandes notions d'agroécologie ou de développement durable, puisque ça reste des concepts qu'on a eu beau construire avec eux, mais... Ça a été formalisé avec une grille où on a les différentes relations homme-nature. Cette grille, on l'a utilisée... on a utilisé quand on a eu nos intervenants, on a dit bon ben là on va le placer où là notre technicien ONCFS, on va le placer où le technicien a fait des chasses, on le place où, et puis l'agriculteur, on sait quand on le place. Oui, ça a été utilisé, voilà. Cette grille, ils l'ont, hein. Ils l'ont dans leurs affaires, hein, dans leurs cours. Et pour se l'approprier, il faut pouvoir s'en resservir, notamment dans tout ce qui est enquête et études de terrain. Et ça, par contre, on n'a pas suffisamment eu le temps de le faire. Du coup, les élèves ne ressortent pas le schéma au moment où ils en ont besoin, ne se l'approprient pas. Et au moment du compte-rendu final, on sent qu'il y a eu des manques. Ils n'ont pas suffisamment pris conscience du fond et des connaissances qu'on a construites ensemble. Et pourtant, elles ont été construites. Par exemple, je ne pense pas qu'ils aient pris conscience hier des points clés de la médiation faune sauvage. Ça, c'est le cœur de cible de ce qu'il faut retenir. Et je ne pense pas qu'ils en aient tous conscience. Alors peut-être qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Ils ont été très bien pour leur âge, et je suis moi-même convaincu que si on prenait nous du recul, je ne suis pas forcément convaincu qu'à 15 ou 16 ans, on aurait été en capacité de faire ça.